Ça commence avec les dieux qui sont tranquillement rassemblés en Égypte sur les bords du Nil et qui se font surprendre par une tempête gigantesque. Cette tempête, c'est Typhon. Typhon, c'est comme le boss final de la mythologie gréco-romaine. Il y a pas mal de façons différentes de le représenter, mais de manière générale, on peut dire qu'il est très grand et qu'il fait peur. Les dieux, ils sont très réactifs face à cette situation inédite. Ils se barrent en courant. Dans leur fuite, pour pas se faire repérer, ils se transforment en différents animaux. Pan, lui, il se rapproche de la rive du Nil et il se dit « Mais ce serait grave une bonne idée de se transformer en poisson pour nager !» Sauf qu'il est en train de se faire courser par Typhon, donc pas le temps de réfléchir, et dans la précipitation à la place, il se retrouve sous la forme d'un capricorne, donc mi-bouc, mi-poisson. Or, comme peut-être vous le savez déjà, un bouc ça n'a pas de... branchies. Et non. Du coup, il est obligé de remonter à la surface. Sauf qu'à la surface, il y a toujours la tempête, donc échec critique. Heureusement, il y a Zeus qui est là pour reprendre la situation en main. Il débarque de l'Olympe, paf, il balance un éclair à Typhon et c'est réglé. Ensuite, comme il a vu Pan se transformer, il va le repêcher dans le Nil. Et il est tellement marqué par cette transformation ratée qu'il se dit « il faut que j'immortalise ça » et il décide d'en faire une constellation, pour être sûr de bien s'en souvenir, pour l'éternité. Donc finalement, la constellation du Capricorne, c'est un peu la photo dossier de Pan. Et ouais.